total 120 à recevoir le parchemin. Il s'agit des stagiaires de la promotion 2018 de Radio Univers qui ont reçu leurs attestations de fin de formation ce samedi 21 septembre 2019 à l'université d'Abomey-Calavi. Au cours de la cérémonie consacrée au mérite de ces hommes et femmes des médias, les heureux du jour, par la voix de Mourel Noumonvi, ont saisi l'occasion pour adresser leurs remerciements à l'endroit de leur formateur. Distingués responsables, nouveaux et anciens de Radio Univers, vous êtes pour nous des guides, des leaders. Nous apprenons toujours de votre sens de l'ordre, de la discipline et de la justice. Chaque jour, nous allons plus à votre école puisqu'il vous a plu de nous accepter. L'occasion est donc propice pour vous exprimer notre gratitude. Une cérémonie empreinte d'honneur, d'hommage et de félicitations a été l'occasion pour les récipiendaires et les formateurs de se remémorer du vieux temps d'apprentissage. Les chargés de formation se frottent les mains. Ça me fait plaisir de constater qu'après la formation, il y a des membres qui ont fait valoir ces connaissances acquises, ceci à travers la réalisation des affiches, des covers, des capsules vidéo et autres. Et quand j'aperçois toutes ces différentes productions issues de mes vieux, je suis heureux. Nous avions ensemble eu de sueurs froides, mais aujourd'hui, nous avons la chaleur de la joie. Ensemble, rejouissons-nous en ce jour, car le jour d'après, un autre jour pour vous, car vous pouvez désormais faire valoir ce que de droit. La marraine de la promotion 2018 de Radio Univers, Marie-Élise Gbedo, n'a pas manqué de remercier la station universitaire pour la qualité de formation qu'elle offre aux étudiants. Je voudrais avant toute chose féliciter Radio Univers, féliciter les formateurs, féliciter les parents qui ont eu confiance dans cette pépinière qui forme les journalistes de notre pays. Ces 120 produits finis de la 108.0 Radio Univers sont repartis avec le ferme engagement de servir la nation dans les différents organes de la presse nationale.